Bonus débloqué, bon karma. Commencer Infamous avec le niveau de karma bon 1. Fin de l'histoire, commencer Infamous 2 avec plus d'XP. Collection de fragments, commencer avec plus de réserve d'énergie. Mais j'ai rien demandé. Ah bon, bah apparemment. J'ai abandonné la fac et j'ai pris un boulot de coursier. Surtout pour emmerder mes parents. J'étais un garçon ordinaire. Juste un de ces types banals qui livraient des paquets à des inconnus. Et puis un jour, c'est un paquet qui m'a trouvé. Des milliers de morts. Des immeubles entiers. Réduits en poussière. Et au centre, il y avait moi. Vivant, mais différent. Personne n'aurait pu deviner la suite. C'est sûr, commencer par le 2. Empire City a été mis en quarantaine. Tout est devenu fou. D'autres gens dotés de pouvoir apparurent. Et c'était à moi de faire le tri dans tout ça. De trouver qui m'avait donné le paquet et pourquoi. Même mon meilleur ami m'avait trahi et avait essayé d'avoir ses propres pouvoirs. J'avais fini par trouver le responsable. Kessler. Il m'avait tout expliqué via une vision du futur. Une bête approchait. Un monstre que moi seul pouvais combattre, à condition d'être prêt et assez fort le moment venu. Un mois plus tard, j'ai rencontré Lucy Kuo. Elle savait tout sur la bête. En fait, elle était là pour m'aider à me préparer. Son ami, le Dr. Wolf, avait travaillé sur un prototype de métasphère. Et il pouvait amplifier mes pouvoirs. Je devais juste l'accompagner à New Marais. J'avais besoin de ses pouvoirs. La bête arrivait. Et je serai prêt. Zeklatchon, ouais. Tu veux savoir, Cole? L'agent Kuo. Elle perd pas de temps, hein? Le premier bateau qui part. Elle a des relations. Ça devrait aller vite, mon vieux. J'entre là-dedans, je récupère des pouvoirs. Dis déjà, graphiquement, le 2, il y a eu un palier. Mais mec, faut que tu te relaxes! Oui, il a pas tout dit sur Kessler, ouais. Je dois être revenu et prêt quand elle se pointera, Zek. Crois-moi, Cole, tu seras prêt quand t'auras fini de bosser avec le Dr. Wolf. Bosser? Du calme, quoi. Dès qu'on arrive, on va se faire les 3 B. La bière, la bringue et des bons bébés. Messieurs, il me semble que vous sous-estimez la gravité. Et Cole qui se marre, c'est très drôle. Oh, les gens ils disparaissent, ils se font téléporter. Oui, regardez en haut. Voilà. Regardez à gauche. Et on avance. Ma grâce, on a un accord. Le bateau part. Oh là, j'ai tout mon temps pour ça. T'as vu, il trouve. Oh, il est sympa, ouais. Que des morts. J'adore le Sly Cooper sur le sac toujours. Hein. Il visait quoi? Mais c'est pas des éclairs ça. Oh là, oui, non. Excusez-moi, faut tourner la caméra. Caméraman, debout. Caméraman, debout. Merci. La bête.
Attends, je vois rien. Il est où? Ah. Oh. Je lance pas tellement des éclairs, hein, je lance des boules. Hein. Clairement. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein, mais bon. Ce serait mieux si je jouais pas en streaming et que si je jouais avec le jeu. Mais bon, ça serait plus fluide, mais bon, ouais, je veux pas me plaindre. Et hop. Nique ta mère, Cole. Arrêtez de me dire maintenir L1. Ça, c'est tellement un élément de gameplay que tu te dis, eh, c'est dégueulasse, après on fait plus ça. Attends, je vois rien de ce que je fais, merci. Hâte de faire des trous noirs. Après ça a vraiment cette vibe jeu avec combat surpuissant pour que tu sois une grosse merde après. Justifions le bousin. Vite, donne-lui une bonne raclée. C'est dégueulasse, la bête peut aller dans l'eau. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Elle meurt pas. Cole, t'es lourd, le pont il pète pile sous tes pieds. Hein. Oh, oh merde. Deuxième dose. Deuxième dose. Ça va la tempête, oui. Et là, c'est débile s'il se courjute lui-même. Hein, tu te dis. Quoi ? Tu te courjutes avec tes propres pouvoirs. Hein. L'abstraction de forêt. C'est pour ça que t'as survécu dans l'eau. Mourir. Je l'ai presque souhaité. T'aurais peut-être rejoint Trish. Mais bon, on s'en fout de Trish, donc non. La bête venait juste de se régénérer. Et maintenant, Empire City n'était plus. Eh, pas grave. Notre bateau filait au sud vers New Marais. Les gens gardaient leur distance, par respect ou par peur. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'étais seul. Les autres s'occupaient, vaquant à leurs activités. Comme si ça avait pu arranger les choses. Mais c'était inutile. J'avais reçu mes pouvoirs pour tuer la bête. J'étais fort, j'étais prêt. Je l'avais combattu de toutes mes forces. Mais ça n'avait pas suffi. Il fallait que ça change. Le lendemain, j'ai pété une armoire. J'ai aidé Zek à préparer un appareil pour concentrer mes pouvoirs. Il ferait n'importe quoi pour qu'on soit de nouveaux amis. Hmm. L'agent Kuo a rassemblé des informations sur la bête. En parcourant la côte, cette dernière avait détruit ville après ville. Kuo a utilisé ses contacts pour trouver un plus petit bateau. New Marais était fermé. Personne ne pouvait entrer. Il allait falloir se faufiler par le monde. Personne sans... sauf nous. J'ignore si vous avez déjà laissé tomber quelqu'un, reçu une raclée ou carrément échoué. Ce sont ces moments qui nous définissent. Ils nous poussent au-delà de nos limites et nous forcent à faire des choix. Quel qu'en soit le prix. Ouais, l'arme au corps à corps, c'était un bon ajout, je trouve. Ils ont bien fait de faire ça, parce que c'est vrai que les coups de poing, c'était pas terrible dans le précédent. Là, tu t'arrivais pas à toucher les gens, ni rien. Là, tu fais... Salut, Cole.
Tu sais, quand tu iras parler à Wolf, tu deviendras complètement... Zek ! Zek, coupe les moteurs ! Qu'est-ce qu'il y a ? Un barrage de la milice. Si on approche, leur artillerie nous coulera. Je suppose qu'il est temps que j'aille me présenter. Attends, vieux ! Le voilà. Et t'es sûr que c'est prêt ? J'espère. Essaye-le. Oh putain. Waouh. Ouh. Qu'est-ce que c'est ? Bon, par contre, il sait pas l'utiliser. On est d'accord, hein. Bien joué, Zek. Merci, vieux. Genre, tu prends ça à deux mains. C'est pas terrible parce que tu perds la. C'est grand pour avoir de la portée. Voilà. Mais au final, t'as pas de portée avec. Ou à peine plus que une info. Oh là là, le jeu est trop fluide. Enfin, le jeu est trop rapide pour la fluidité que j'ai. Hey Quo, l'agence de sécurité nationale sait ce que tu fais avec moi ? J'ai déposé des congés. Pourquoi ça ? Je veux dire, t'as l'air plutôt du genre réglo. L'agence compte s'occuper de la bête en lançant l'armée à ses trousses. Wolf avait une meilleure solution. Il a inventé la technologie de la métasphère. Tu veux assez de pouvoir pour vaincre la bête ? C'est ton homme. Hey, que tu fais là ? C'est quoi Triangle déjà ? Zek, ah oui. Cet ampli va faire l'affaire. Génial ! Essaye d'en tuer quelques-uns. Une manip qui a une main. Oui, plus haut. Attends-toi à ce oui, que oui. Mais du coup. C'est là où je trouve ça. Allez, on a d'aventure. C'est juste là où je trouve ça un peu débile parce que du coup, elle devrait être très longue, quitte à faire. Genre comme une épée longue, quoi, que t'es obligé de prendre à deux mains. Non, c'est trop long, moi, pour moi. Le manche pour moi il est trop long dans le jeu. Il y a juste ça qui je trouve un peu bête. Interface du jeu opaque, difficulté. Bon, je mets facile juste parce que c'est pour être tranquille et faire ça. C'est vrai qu'ils mettaient les voix anglaises à l'époque, j'avais oublié. C'est bizarre. Après, l'avantage c'est qu'ils se jettent en avant. Donc, ça va. La portée du coup est augmentée virtuellement dans le jeu. Pas dû venir ici, taré. Non. C'est-à-dire que tu sens que c'est... Je sais plus si Batman, Arkham, Asylum étaient... Étaient sortis. Un peu d'électricité. Mais ça fait un peu plus penser à système de combat. Du coup. Cool. Voilà, du cool. Jus. Tu dois pouvoir abaisser le pont si tu l'alimentes suffisamment. C'est mieux que la nage. Mais le surcharge pas trop. Un incendie pourrait faire sauter le village tout entier. Ouais, c'est possible. J'éliminerai tous ces types d'un coup. Ouais, et ces femmes, ces enfants, ces animaux. Le premier choix. Donc, est-ce que je reste gentil ou est-ce que on vire méchant ? Moi, je dis... Sinon, je fais un sondage. Je peux faire un sondage, hein, après, hein. Nos problèmes pour faire un sondage. Ouais, le sondage, il a pas trop d'intérêt que t'es tout seul, Frax, hein, donc... Ouais, voilà, c'est toi qui me dis. Gentil ou méchant ? J'aime pas le choix sur ce dialogue-là. Bon, d'accord, ok, donc gentil. Moi, il y a un... Alors, par contre, un truc que je critique un tout petit peu... C'est que j'adorais le fait que tu faisais un vrai éclair dans le premier, que là, c'est une boule. Et je trouve ça un peu moins logique, parce que clair, il est fait d'électricité, l'électricité doit être conduit. Une boule électrique, c'est du plasma. C'est pas une électricité. C'est-à-dire qu'il joue pas d'électricité, là. Je trouve que c'est un peu ridicule, parce que tu te dis, là, c'est au-delà de... C'est une capacité de ouf, hein, de pouvoir faire ça. Même si la façon dont il tire est plus classe, ça je l'avoue. Mais j'aime bien l'éclair, c'est lié à son pouvoir, c'est beaucoup plus logique je trouve. Et beaucoup plus sympa aussi au niveau sensoriel parce que tu sens qu'il a une portée. Après c'est mon avis, Cole, merci d'avoir fait preuve de discernement. Bonjour monsieur. Zut, tout a pété, c'est pas ma faute.
Tu préfères la combinaison de pouvoir gentil ou méchant? C'est-à-dire, attends, je me rappelle plus. Attends, fais voir les pouvoirs, je me rappelle plus. J'ai plus le tout. Ça fait longtemps quand même que j'ai pas joué à celui-là, j'avoue. J'ai plus fait, je pense, j'ai fait plus longtemps le 1 que le 2. Le 2, j'ai dû beaucoup plus le bourrer. Mais je sais plus. Je croyais que je commençais avec un bon karma, moi. Sans spoiler, oui, c'est ça, oui. En vrai, je sais plus. Et honnêtement, je crois que j'ai pas tellement d'avis dans le fond. En vrai. J'ai pas tellement d'avis. Ah oui, je vois la barre. Oui, c'est bon. Parce qu'elle était pas affichée. Verrouillée. Ah. Hop, un coup d'entrave. Back. C'est pour ça que, tu vois, je voudrais mettre une jauge. Parce que si là, quelqu'un décidait de dire « Non, t'es méchant !» Je bute les mecs. Je les suce. J'adorerais pouvoir... Enfin, je les suce en tout bien tout honneur, hein, bien sûr. Il n'y avait pas on peut changer de main? Si. Oui, bien. La neurosuction est stylée, je trouve. Ça fait longtemps que je l'ai pas faite. Attends, faut que je la revoie. Ne ressuce-moi celui-là. Non, non, Cole. Non, non, non. Très gentil, hein. Ah oui, c'est vrai, il fait comme ça. Ça faisait longtemps, je l'avais pas fait. C'était vivant. Bah. Ah, monsieur, ça va ? Désolé, je suis mauvais, hein, c'est la manette. Voilà, pardon. Je sais pas, je me souviens pas. Oui, bah oui, moi, ça fait un moment. Tu l'as bien compris. Non mais Cole, bon, fais chier. Cole, arrête de grimper sur tout ce qui bouge. T'es mignon, mais tu me fais chier. Ah, Marcus ? Qu'est-ce que tu fais là ? Marcus de Borderlands ? Cole, bouge ! Allez ! Quoi ? Mais tu m'emmerdes ! C'est la même référence. Bah, surtout que là, c'est vraiment... Il fait vraiment le même timbre de voix que, du coup, bon... C'est pas dur, hein. Tuez pas votre pote, hein, s'il vous plaît. Faites attention, hein. Oh, salaud. J'ai pas mal. Allez, fais péter les explosifs. Voilà. Merci. Ok, dis-nous quand c'est bon. Oh là, c'est bon. Pardon. Ah bah oui, la zone tuto, hein. On le sait, hein. Ah oui, le grind. C'est juste dommage qu'on n'entend pas ce qu'il dit, ça fait pas comme dans le 1 où t'as les dialogues qui se machinent. Le grind. Pardon. Attends, tuto. Voilà, merci. Boum. Oh, ça t'a rien fait. Alors.
J'ai tué ? Ah bah oui, j'ai tué. Pardon, j'avais pas vu. Je suis mort deux fois sur les grosses barricades qui flottent. Ouais, bah en même temps, c'est pas directement... c'est subtil, hein. Ah, le plaisir, vas-y. Oui ! Enfin, ça sera toujours le plaisir du jeu, je pense. Peu importe combien tu fais yes, du grind. Le Tony Hawk Pro Skater en moi est content. Mes années Tony Hawk sont heureuses. Ah ouais, même le son est bon, ouais. Doucement. Puis si on peut... Stealth kill... Non ? On peut pas. Par contre, ils sont un peu cons. On peut pas, mais ils sont pas très intelligents, hein, parce que... je fous un bordel monstre. Est-ce que j'ai pas l'onde ? Tiens, allez. Cadeau. Yay! C'est bon, je suis arrivé. C'est bon les gars, vous pouvez accoster. Super, on te rejoint et direction le labo de Wolf. Tu sens quand même que ce Cole là dans le 2, il lui en dit, allez, sois un peu plus jovial, sois un peu plus gay, sois un peu plus énergique, enfin énergique, sois un peu plus sympa. Ah, la milice a transformé cette ville, c'est plus que c'était. Tu te souviens ? Oh. Il a un peu plus d'âme, ouais. Ouais. Ouais, je me souviens de New Marais. Toi, il dit des trucs en se marrant. Quand j'apprenais à grimper, après l'inondation, la ville était presque déserte. Un paradis pour les sports urbains. Eh, même Zek avait voulu tenter le coup. Bon, après, c'est Zek. C'est génial. Dans une autre ville, quand on commence à grimper, les flics se pointent en 10 minutes. Mais ici, ils avaient déjà beaucoup d'autres chats à fouetter. Il n'y avait plus de loi. C'était sauvage. Et à part pour les gueules de bois, j'étais au paradis. Mais c'est terminé. Dis donc, les meufs, elles sont changées. Et observe tout le monde à la recherche de déviants à punir. La tension est palpable. Les gens ici, ils sont prêts à exploser. Et quelque part dans cette ville fantôme se trouve le secret pour décupler mes pouvoirs. Ces crétins vont tenter de me barrer la route, de me tuer pour purifier leur ville. Ouais, bah y'a pas de soucis, hein. Qu'ils essaient. À la prochaine. Zek, déplace ce bateau au moindre problème. Ok, super espionne. Tu prévois une petite fiesta ? La milice devrait être sur les dents après ce que t'as fait dans le marais. Y a de quoi être agacé. Pourquoi t'as pas fait sauter les réservoirs dans le camp ? Ça aurait vraiment simplifié les choses. Eh, je vais pas incinérer des familles entières juste pour simplifier les choses. Bien, c'est ce que je voulais entendre. Tu as fait le bon choix. Ça m'impressionne. Tu as agi comme un vrai pro. Allons trouver Wolf. Elle ne me laisse pas de glace. Docteur Wolf, je suis de retour, avec ma grâce. Bien, très bien. Malheureusement, j'ai de mauvaises nouvelles à vous annoncer. Quoi ? Vous allez bien ? Oui. Mais la milice a fouillé mon laboratoire ce matin et elle a découvert le dernier noyau que je cachais. Ok, restez au labo. On file au poste côté ouest pour tenter de le récupérer. Wow ! Balance-leur une grenade ! Attention ! Prends ça, toi. Voilà. Non, mais... on peut pas être tranquille, ici. On va péter ! Grenade ! Non, mais... tire la grenade dedans. Merci, Cole. Et ah, une voiture, ça recharge. On y va. Oui, madame. T'es où ? Je te suis, hein. Ah, tu pourrais dégager le passage ? Voilà. Non ? Ça te plaît pas ?
poste de Gay West est droit devant. D'accord. Je suis, hein, ma vie. Encore. Ah oui, putain, dans celui-là, c'est vrai que t'es obligé d'avoir du jus pour tirer. Oh, c'est nul. Genre, dans l'autre, t'avais au moins jus infini, quoi. C'est logique, dans un sens. J'adore cette ville. On y va. Ouais, ouais. Je te suis. Deux secondes. Oh, renverse pas cette pauvre dame, t'as rien fait. C'est de retour. Elle essaie de forcer la porte de mon labo. J'arrive tout de suite. McGrath, débrouille-toi tout seul. Le noyau d'énergie est violet. Tu peux pas le rater. Je le trouverai. Vine Wolf. Bon. Et moi. Ah oui, c'est vrai, il y a ce système de boost. J'ai volé. Ah, j'ai volé si fort. Là, j'avoue, je fais beaucoup de corps à corps parce que c'est kiffant. Oh là là. Mais et le jeu, là ? Vraiment, je suis obligé de jouer à tirer sur les gars. Ah, je touche pas d'ici. Bon. Dommage. C'est l'homme électrique, ouvrez le feu ! Ouais, ouais, c'est l'homme électrique, ouvrez le feu. Ah, dégage. Voilà. Zut. Zut, mon gars. Et le dernier. Tac. Et toi, là-bas. Bon. Wolf a des ennuis. Mais t'as le temps pour ça, non ? Agresseur et direction. Alors, bon, vu que j'ai personne, moi je vais tirer pile ou face. Moi je dis. Il me faut un pile ou face. Bon, pile ou face. Alors, pile. Je sauve, face, je sauve pas. Face, je sauve pas. Bon, voilà. C'est le jeu qui a décidé. C'est le destin qui a décidé. Voilà. Non, j'ai rien fait. On n'a pas le temps. Les pouvoirs d'abord. Oh, Wolf, je crois que j'ai trouvé. Toujours au labo ? McGrath ! Les fragments, ils. Oh non ! Oh là, il y a feu d'artifice. Je suis en route. Merde, j'ai raté le saut. Raté. Ah, je suis mauvais. Je suis mauvais. Le démon, ça va, hein.
Pas vu plus démoniaque, hein, des fois, hein. Quand même, hein. Voilà, tombe. Nique ta mère. N'a pas le temps, notre esprit est ailleurs. Tac, dégage. Dégage, dégage. Merde, il y avait un câble. Tiens, petit moment de recharge. Ça fait toujours du bien. On suppose que c'est là-haut. Docteur Wolf. Bon sang. Vous êtes son portrait craché. Le portrait de qui? Kessler. L'homme à qui vous devez vos pouvoirs. Je sais. Qui est Kessler? Au départ, on était amis. Il m'a parlé de ses projets pour vous. Et de la bête. Donc vous savez que j'ai échoué. J'ai rien pu faire. Empire City est morte. Oui, et ça ne s'arrêtera pas. À moins d'améliorer vos pouvoirs. Vous devez être assez fort pour utiliser ça. Une métasphère? Non. Un inhibiteur de métasphère. Je l'appelle IMS. Disons que c'est un anti-métasphère. Au lieu de donner des pouvoirs, il les supprime. Et ouais. Exactement. Avec cet appareil, vous pouvez combattre la bête. Supprimer ses pouvoirs. Gardez-le bien. Ouais. Et ça? Où tu l'as rangé? C'est quoi, ça? Ah, les noyaux d'énergie, ils alimentent l'IMS. Ce sont des batteries qui contiennent l'énergie qui crée la mutation génétique. Faites passer le courant au travers, et leur énergie passe dans le porteur le plus proche. Waouh, ça va me donner plus de force. Oh ça oui, et ce n'est que le premier. Ensemble, on vaincra la bête. Assez papoté, Wolf. Il faut agir. Merde, je l'ai grillé. Chier, surcharge. Bon bah, le jeu est fini. Ouais, 6 noyaux de plus pour utiliser l'IMS. Tout à fait. La bête avance. La bête. Ouais, c'est ça, courez, ordure. Qu'est-ce qui s'est passé? La milice est revenue et elle s'est mise à vous embarquer. Quoi, court toujours après les kidnappeurs de Wolf. Alors, comment c'était? Le vieux t'a filé du GHB? Non. Non, en fait, je crois que j'ai de nouveaux pouvoirs. Vraiment? Allez, montre-moi. Ok. Montre-moi ce alors, que tu sais faire. Maintenez R2 près d'un objet pour le soulever. Appuyez sur R1 pour lancer objet. Lancer une voiture, battez les ennemis réunis sur lancer un objet. Ah, merci. Ok. Du coup... Où est-ce qu'il y a des gars de la milice? Bonjour. Oui, bon, ça a été... J'étais trop près, pardon. Excusez-moi, hein, monsieur de la milice. Excusez-moi, hein, cette voiture est pour vous. Excusez-moi, hein, c'est pour vous. Voilà, merci. Très bien. Mes choses vont faire légèrement plus heureux. Ah bon? Pourtant, j'ai pas sauvé quelqu'un. Attention, mon pote. J'ai repéré des fouineurs de flics. Mm-hmm. Avec tout le rafut que t'as fait, ils doivent sûrement te rechercher. Réfléchis bien avant de t'attaquer à ces mecs. On doit se faire des alliés.
pas en perdre. Je veux dire... Après, j'ai jamais dit que je devais rester gentil, hein. Non, bah après... Donne-moi le scénario. Je suis les gars qui ont pris Wolf, mais ça risque de traîner. Pendant ce temps, Cole, je crois que tu devrais récupérer certains débris dans son labo. Mieux vaut le faire avant la milice. Mmh. Tout à fait. La carte... Là. Ok, donc pour l'instant, c'est juste mission principale. Is nice. Je vais réussir à aller où je veux. Allez, au voyage. On voyage. Plus loin de la nuit, le jour, on voyage. Non, le tuez pas. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Oh, t'es vivant, toi ? Tu devrais pas être vivant. Non, mais... C'est où c'est bien parce qu'il court un peu plus vite que dans le premier quand même. Qui est légèrement plus confortable. Faire des choses. Ouais, du coup en fait tout à l'heure c'était juste tiens t'as découvert les bonnes opportunités. Faire les bonnes actions et tout. Ouais moi globalement je fais rien. Salut tout le monde. Comment allez-vous? Ah. Il y a une semaine, Empire City a connu la plus terrible catastrophe jamais survenue sur le sol américain. Tout a commencé par une série d'explosions qui a rapidement dégénéré en destruction massive de la ville au cours de ce que l'on appelle désormais le drame d'Empire City. Aujourd'hui, Empire City n'est plus que ruine. Aucun rapport officiel n'a été publié. Mais les dernières estimations parlent de millions de morts. La nation est en deuil. Millions ? Ils étaient autant que ça ? Quelle est l'origine de cette catastrophe ? Est-ce que les États-Unis sont attaqués ? Monsieur Houston de l'Agence de sécurité nationale mène une enquête sur place, mais déclare que les recherches n'ont rien donné pour l'instant. Par précaution, toutes les forces armées du pays sont en alerte maximale et des milliers de soldats ont été rappelés de l'étranger pour faire face à la crise. Nous ignorons toujours si la menace est liée à un groupe terroriste ou à une cause naturelle. Mais une chose est sûre. Le danger est réel et le phénomène frappe la côte est et progresse vers le sud, semant la mort et la désolation sur son chemin. Non mais même à l'époque, les gens pouvaient quand même s'envoyer des vidéos et des photos par mail ou autre de... du bordel quand même. Ici, genre, il y a personne qui a vu au loin ce truc géant et qui l'a dit. En mode, vas-y, regardez, c'est pas normal. Non ? Il m'a semblé voir un des pigeons voyageurs de Wolf. Ah non, pas des pigeons voyageurs. S'il vous plaît, non. Okay. Mais pourquoi ? Quand Wolf était chez les premiers fils, il utilisait des oiseaux pour communiquer avec son contact à la sécurité nationale, c'est-à-dire moi. Alors, Wolf n'est pas un petit copain qui aurait l'âge d'être ton grand-père, par exemple ? Non ? Je crois qu'on peut plutôt parler de figure paternelle. Ok, c'est cool. Je te juge pas. Je te juge pas, mais je sonde un peu quand même au cas où. Hein, t'sais. Je sonde s'il n'y a pas un intérêt pour moi. Je suis Cole. J'ai perdu Trish, malheureusement. Oh, malheureusement. Et du coup, je me dis. Oh. C'est inutile de le tuer. Tu as des pouvoirs qui permettraient que de l'assommer. Non. Non. Il est où le pigeon ? Excuse-moi, pigeon ! Pigeon ! Pigeon ! Et je te tiens ! Hé, hé, mec, t'as grimpé jusqu'en haut ! Tu peux aussi bien redescendre avec style ! Et j'ai tué tout le monde.
Zek, quelle idée de con. Branche-la sur ton téléphone. Je t'ai déjà envoyé la clé de cryptage. Ok, oui madame. Bien madame. Agent Cours, je suis certain que vous seul serez à la hauteur pour décoder ces messages. Et qu'ils serviront de preuve accablante dans votre dossier contre les premiers fils. Il est temps que le monde apprenne ce qui s'est passé. Des efforts doivent être mis en œuvre pour réparer au plus vite les dégâts causés par la métasphère. Des dégâts pour lesquels j'assume l'entière responsabilité. Partagez. Oh, c'est pas toi qui as tout fait, hein. Avec votre contact à Empire Réussi. Le temps presse. C'est un bon début. J'ai vu ces oiseaux s'échapper du labo de Wolf après l'explosion. D'accord, je vais ouvrir l'œil. Ok, et pendant que tu y es, j'ai repéré des fragments de métacide près du clocher. Méta quoi ? Des morceaux de terre irradiés lors du test de la métasphère. Wolf semblait croire que tu saurais quoi en faire. Ah, oui. Nous, on les appelle des fragments. Bah, c'était des fragments pour vous, parce que c'était des morceaux de la métasphère. Là, c'en est pas. Autre chose. Cool. Je vous fais pas ton chier. Fais pas ton cake. Ce n'est pas un fragment. C'est autre chose. Et pas chier. Cole. Joue pas au con. Joue pas à plus malin. Tu peux pas jouer à plus malin. Elle est plus malin que toi, potentiellement. Alors. Ouais. Qu'est-ce qui vient de se passer, Cole ? Mon corps absorbe leur énergie. Encore quelques fragments et je pourrais stocker plus de puissance. Ils peuvent être n'importe où. La collection de Wolf a sauté en même temps que le labo. C'est rien, je les trouverai. Voilà. Écoute, dans cet enregistrement, Wolf a mentionné que t'avais un contact à Empire City. Tu le connaissais. En fait, il s'appelait John White. Tu rigoles. Eh oui, l'agence John. Je ne savais pas vraiment ce qu'étaient les porteurs. Elle a analysé tous ses agents sur le terrain, et John et moi avions le gène. On était des choix logiques pour infiltrer les premiers fils. Il a donc été envoyé à Empire City, et moi à New Marais. On a protégé nos couvertures respectives. Qu'est-ce que John t'a dit sur moi ? Après l'explosion, ses rapports sont devenus très brefs. Tout devenait difficile à croire. Mais maintenant que je t'ai vu et que j'ai vu la bête... Ouais. Tout est devenu totalement dingue. Eh oui. C'est bon, j'ai eu mon morceau. Attention, on fait quelqu'un de légèrement mauvais. Quoi, j'ai blessé 12 civils. Eh, c'est Zek qui a blessé 12 civils. Hein. Moi, j'ai rien fait. Hein. Zek, il a une idée de con. Je peux rien. Toujours pas débloqué de trucs. Compulsion cinétique. Eh, au fait, tu te souviens quand on est venu ici la première fois et que j'ai rencontré des personnes, disons, un peu douteuses? Ouais, j'aurais un peu de pénicilline et c'est passé. Voilà. Bon ben, c'est ton tour. Certaines avaient encore mon numéro et elles auraient besoin de l'aide de l'homme électrique. Mais non, c'est l'homme du Racel. C'est la même chose. Une star, mon pote. Même au fin fond du sud. Bon oh bah let's go. Tout chemin. Voilà. C'est chiant qu'il fasse une espèce de roulade à chaque fois parce que ça me fait perdre un peu mon... Ça me fait perdre le momentum au moment où j'arrive. Pour l'instant, je suis pas habitué au fait qu'il c'est un aimant à objet par terre, genre très aimanté au rebord et tout ça. Ce qui est très bien, mais je suis pas encore habitué, je suis habitué à l'autre où il était pas du tout, prêt. Salut les mecs! Oui. Viens, loup. Couché. Sur le bait. Oh, un pigeon. Ouf, et... Je suis là, autant le faire, hein. Ça fait toujours un peu d'XP. Pardon. Ça me gratte l'oreille. Ça me fait toujours un peu d'XP. Alors, où est-ce pigeon?
Littéralement. Cette fois, je peux dire vraiment que c'est un pigeon. Parce qu'il y a beaucoup de jeux où je dis « Oh, là, un pigeon !» C'est pas un pigeon. Il est où ? Il est là-bas. Touché. Ça va, c'est moins chiant que d'autres jeux. Surveillance audio X04. Entretien avec les agents John White et Lucy Cour de la NSA. Vous êtes là, John ? Parlez. Maintenant que vous avez infiltré les premiers fils à Empire City, il est temps que je vous présente mon contact à New Marais. John White, voici le docteur Sebastian Wolf. Wolf ? C'est ça là tout secret que vous protégez ? Mais il est responsable de la moitié des choses sur lesquelles on enquête. Hé, du calme. C'est pas grave. Wolf met sa vie en danger pour nous aider. On est tous en danger. L'agence vous a assigné tous les deux à cette mission sur la simple et bonne raison que vous portez le gène des porteurs. Ce dernier attise la curiosité des premiers fils à votre égard, ce qui ne veut pas dire que vous avez carte blanche. Il surveille les nouveaux initiés de très très près. Il pourrait vous tuer sans hésiter une seule seconde. Ok. Allez. Prochaine mission. Hé hey mec, t'es une star ? J'ai été contacté par un flic et un drogué. Wow. Tu parles d'un fan club ? Ces gens te prennent au sérieux, mec. En les aidant, t'envoies un message. New Marais, c'est un nouveau départ pour nous. Une autre chance. Ok, c'est bon. Hey, ces gens regardent ce que tu fais. Surtout quand tu balances des éclairs avec tes mains. Le karma, ça craint. J'ai pigé. Ce que tu vas faire ? Je vais envoyer un message. Alors... Alors, j'ai le choix d'être gentil ou méchant. Et bah, c'est pas moi qui choisis. Pile ou face ? Pile gentil, face méchant. Allez, relance la pièce à nouveau, s'il te plaît. Relance la pièce à nouveau. Allez, Google, là. Face. Bon, bah, c'est méchant. Bonjour. Bonjour. Non, pardon. Et perdrez la mission Bon Samaritain. Ok. Ces deux pourritures de frères sont des espions de la milice. J'en ai attrapé un pour qu'il serve d'exemple. L'autre se cache dans les marais. D'accord. Une recession sur le premier frère. Ok. Bonjour monsieur, vous êtes-vous déjà fait sucer ? En fait, j'ai fait R1, mais ça a pas pris en compte mon R1. Du coup, j'ai appuyé sur le carré pour faire une neurosuction et ça a pas... En fait, je suis gentil. Je voulais pas le blesser. Non, je suis surtout très mauvais. Hop, 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 hop. Voilà. Maintenant, on trouve le deuxième. Maintenant, pour afficher la photo, c'est tout à fait. Comment j'y vais ? Alors là. Par ici, par ici. Non. Cool. Vraiment. Je voulais que tu sautes sur le bateau pour une fois que t'as pas été aimanté. Ah d'accord, ok. Niquez votre mère, je me suis fait enculer direct. Grenade ! Tout à fait, c'est une grenade. Tu comprends. Cool. Oups. Voilà, merci monsieur. Mais non, le tuez pas. Le tuez pas, il est gentil.
Neurosucer tout le monde. Petite vidange. Oh, il est où? Il est où? Faut que je trouve le mec. Il était dans les lots de gars par de gars au sol. Bon bah quand tu sais pas hein. Oups. Alors vraiment à chaque fois je veux pas vous taper hein. Vraiment désolé hein. Pas ce que je veux faire mais. Il est où? Dans la maison? Dans la maison? Ah il est là. Voilà. Bonjour monsieur. Bon, je l'ai pas neurosucé. Bon, je suis désolé. Oui, j'ai verrouillé une mission, c'est pas bien, tout ça, tout ça. Pardon. Ah, bon sang, mon pote, t'entends ce connard qui tape sur des sous? Ah, je déteste ça. Rends service à tout le monde et terrorise tous les musiciens de rue que tu trouveras. Je savais pas que t'aimais pas les artistes. Ouais, c'est juste que j'aime pas qu'on me force à écouter leur musique. Sérieux, qui aime ça? Ouais, bon, là c'est très personnel hein, ce que tu as comme problème. Hein, Les gens arrêtent pas de parler de toi en ville, Cole. Ça va être dur de continuer à circuler incognito. Tout le monde va te demander de l'aide où que tu ailles. Alors on ferait bien de vite retrouver. Oh, je m'en occupe. Pendant ce temps, t'as qu'à travailler un peu tes pouvoirs. Rends-toi à ses coordonnées. Ah. Hein, quoi? Pourquoi tu me donnes ça? Chargement de la fonction. Quoi? Pourquoi maintenant? Quoi ce bordel? Le contenu généré par les utilisateurs pour une mission en vert autonome correspond aux missions que des utilisateurs comme vous ont créées. Vous aurez d'abord accès à une sélection de missions créées par l'un. Ah ouais, il y a ça! Oh, j'avais totalement oublié qu'il y avait ça. Oh là là, je me rappelais même pas qu'il y avait ce truc. C'est pas hyper. Pas hyper intéressant, hein. Clairement. J'en ai un peu rien à péter, hein. Plus les. Je peux le désactiver, ça? Juste histoire de pas me retrouver avec. Ça sur le dos. Je peux pas l'enlever. Je peux pas le virer, non? Non. Vraiment. Truc à la con. Ultra mission, aucun. Aucune mission, voilà, parfait. Pas que je m'en fous, mais je m'en fous. Hein. Ah, après, ça m'emmerde parce que clairement, j'ai envie de jouer, mais j'ai envie d'avoir le système gentil-méchant, donc. J'ai pas envie de continuer plus que ça parce que j'ai envie de pouvoir avoir le truc. Je pense que je vais arrêter là, même si j'ai pas beaucoup joué, je suis désolé. Mais j'ai envie de chercher comment faire ça et peut-être de le trouver pour la prochaine fois. Et comme ça, après, ce sera sympa. Donc, bah, je vais arrêter là, je suis désolé. Mais bon, c'est pour que la prochaine fois, on puisse vraiment, on en profite vraiment. Donc voilà. Des bisous tout le monde, à la prochaine pour la suite, et voilà. Ah oui, alors ça va la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine je suis pas là. Donc ce sera mi-août, il me semble, on verra. Des bisous.